Alors, les ateliers citoyens, eh bien, du coup, ça s'inscrit dans la mission de Reliance, en fait, notamment dans l'objectif numéro 4, qui est de contribuer à un monde durable, et l'engagement numéro 10, qui est de réduire l'empreinte environnementale du groupe. Les ateliers citoyens ont été mis en place vraiment dans l'idée de s'appuyer sur trois piliers d'action principaux, qui sont d'abord de sensibiliser les citoyens Reliance, enfin, en tout cas tous les collaborateurs et les collaboratrices, de les impliquer et de les encourager et de valoriser leurs actions pour finalement contribuer à notre mission. Ce que j'apprécie dans les ateliers citoyens, c'est que nous sommes un ensemble de collaborateurs volontaires qui agissons ensemble pour limiter notre impact environnemental. Chacun choisit un atelier en fonction de ses goûts ou de ses affinités personnelles et nous menons ainsi des actions au quotidien pour agir pour limiter cet impact. Aujourd'hui, on se focalise principalement sur la partie environnementale. Donc, on a fait une analyse de l'existant sur tous les sites du groupe. Et tout ce qui fonctionne, on essaie de le déployer pour chaque site dans la mesure du possible. On regarde aussi ce qui se passe dans les autres entreprises et on voit s'il y a des choses qui peuvent également être déployées au sein de Reliance. D'abord citoyenne Terre avant d'être citoyenne française ou citoyenne Reliance. Et donc, c'est un engagement qui va de concert avec mon état d'esprit en tant que citoyenne. Ho deciso di far parte del gruppo Citoyenne perché mi interessano molto le tematiche legate all'ambiente, volevo poter approfondire l'argomento e averne una visione europea. C'est être un collaborateur qui est conscient des enjeux de notre temps et qui va agir, qui va informer au sein de Reliance pour faire bouger les choses. Il primo è la percezione che non siamo semplicemente un individuo isolato, ma facciamo parte di un organismo più grande, molto più grande, visto che adesso siamo più di 1000 dipendenti in tutta Europa. E il secondo passaggio, dopo la consapevolezza di questo, è l'essere il motore propositivo di questo miglioramento positivo. Voglio essere in prima linea per cercare di portare qualcosa in più. C'est de pouvoir créer des produits, créer un service, tout en faisant attention à ce qui se passe autour, à l'environnement, à l'effet sociétal, enfin voilà, tout ce qui entoure l'entreprise. Une entreprise idéale pour moi, c'est une entreprise humaine qui est consciente de son impact sur l'environnement et qui agit en conséquence. C'est finalement ni plus ni moins une entreprise citoyenne Terre. L'azienda ideale per me è un'azienda dinamica, attenta ai cambiamenti e che crede nella forza del gruppo. E naturalmente assolutamente green. Anche per me l'azienda ideale è un'azienda soprattutto efficace, che elimina gli sprechi e le inefficienze, ma che è molto attenta ad aspetti anche al di fuori del mero business, come per l'appunto l'ambiente. Mon entreprise idéale, elle ressemblerait vraiment à une entreprise qui, d'abord, en premier lieu, vraiment, se préoccupe d'apporter du positif à la société, que ce soit sur les sujets environnementaux, sociaux, ou de manière générale liés au développement durable, et donc qui met finalement les profits en second. Et je pense qu'avec le modèle mutualiste de Reliance et le fait qu'ils apportent des solutions de risk management pour des acteurs de l'intérêt général, je pense qu'on est vraiment sur cette ligne-là. Nous sommes tous citoyens. Nous sommes tous citoyens. Nous sommes tous citoyens. Nous sommes tous citoyens. Nous sommes tous citoyens.